Hey, ça va? Donc là, on est dimanche. Je vais partir en balade. Je suis arrivé, je suis dans la vallée de la Chevreuse, dans le nord. Et aujourd'hui, je vais faire une boucle qui s'appelle Port-Royal Manille-les-Hameaux. En fait, c'est à côté de Manille-les-Hameaux qui est un bled dans le coin. Il y a pas mal de motos dans la zone qui circulent. Alors, je suis tout seul aujourd'hui, donc je vais peut-être parler un tout petit peu plus que d'habitude. Je vais essayer de pas trop parler non plus. Attends, il y a des poils là, ça va? Ça va tranquille? Hein? Ça va? Voilà. Allez, on est parti. Hey yo! J'avais déjà fait ce. Ce truc! Gauche. Alors ça commence. Ouais, vous allez pas m'entendre là, je pense. Tout va bien avec la caméra là? Ça a l'air pas mal. Je la baisse un peu plus que la dernière fois parce que j'ai l'impression quand même que globalement on voit quand même le petit truc en haut à droite. Alors comme je vous disais, aujourd'hui je suis tout seul. C'est un chemin que j'ai déjà fait en partie avec Thibaut, mais que je refais là et déjà en filmant, et puis en plus je m'en rappelle pas quoi. Il y a un autre truc à noter, c'est que comme je suis tout seul, je vais sûrement parler un peu plus, mais il va falloir que je me maîtrise quoi. Voilà. Faire un rapido sinon. J'ai prévu de m'acheter un cintre plus large. J'ai été convaincu par les commentaires et par mon pote Grégoire dans la dernière vidéo. J'ai commencé à chercher, j'ai trouvé des trucs cool. Après, j'attends un tout petit peu d'avoir un peu plus de thunes. J'en ai pour m'acheter une potence plus courte aussi. Ça va être pas mal. Et il y a un truc auquel je pensais, c'est certes, ça va être bien pour rouler, mais pour les vidéos aussi, ça va être bien. Parce que vous verrez moins mes bras en fait, puisqu'ils seront plus écartés. Ah ah! Tiens, autre chose auquel je pense. Je pense à ça parce qu'on est dans une forêt et que généralement la qualité est moins bonne quand il fait sombre. C'est que j'ai l'impression que l'encodage YouTube pour les vidéos en mouvement en 1080p, je sais pas, de GoPro, c'est dégueulasse. Mes vidéos elles sont moches sur YouTube par rapport au montage. Et du coup, je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est l'uploader en plus haute définition de base. Et du coup, le 1080 sera peut-être meilleur, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est beau, on se croyait dans Jurassic Park.
Et je suis plus sur le chemin. Putain, j'étais censé aller à droite. Putain. Gauche du coup. Ok. Je me rappelle de ce genre de passage. En fait, on se promène entre des bois, on traverse des champs et on enchaîne dans d'autres bois. Et c'est vraiment bien pour l'instant. Quelle belle journée. On a vraiment de la chance ces derniers temps. Incroyable. Shit. J'ai rien contre les chiens. Vraiment, j'adore les chiens. Mais à vélo, ça reste un truc qui fait peur. C'est jamais, tu vois. Bon, c'est beau les villages, mais j'aimerais bien un chemin, quoi. Mais c'est beau, c'est beau. Bon, je fais pour l'instant, je fais beaucoup de route en fait, enfin de chemin. Enfin non, de route, le terme route est le bon. Et c'est joli et tout, mais c'est pas pourquoi j'ai signé. Hein. Là-haut, il y a un château, vous le voyez sûrement pas, parce que la caméra est un peu basse peut-être. Ah bah enfin, ça commence à se transformer en quelque chose. Let's go. Oh yeah, baby! On fait des bûches. Bon, là j'ai fait 15 km et je dois vous avoir donné allez, maximum 10 minutes de vidéo parce qu'en fait il y a beaucoup de route quoi. Beaucoup trop de route. Mais bon, ça va peut-être changer. Let's go! C'est aller à gauche là. Je veux pas aller à gauche, je veux aller à droite. Lol. Alors, il vient de se passer un truc assez intéressant. En gros. Ça va, hein. Juste, j'ai un peu perdu contrôle. Et tout allait bien jusqu'à ce que je me prenne en fait ce hou. Juste devant, il y a du hou. Et ça m'a défoncé la gueule en fait. Donc là, je saigne de la lèvre. Rien de gênant, mais bon. J'aime pas saigner. Voilà. Contrôlez votre vitesse, les enfants.
bouffe. Ah, tous ces trucs où, ça, où tu peux arriver là. C'est plutôt chouette, mais... J'ai failli mourir. Salut chien. Reste là où t'es. Plus t'as l'air balèze. Donc ça, c'est une partie un peu cool de ce trajet. Enfin, cool dans le sens sympa. C'est mignon quoi, après voilà. Pour admettre un peu de technicité dans la mesure où il faut se faufiler. Mais voilà, pas non plus exagérer. Ok, j'ai failli mourir. Génial. Ah ouais, d'accord, super. Il y a des mecs qui ont commencé à essayer de les couper. Mais ils ont dit LOL! Too much work, my friend! Hein? Aïe! Ok, alors là, je vais longer un peu une grosse route. Parce que. Le tracé initial, il fait genre 40 km et je vais pas faire les 40. Je vais en faire peut-être 25, 30 max. Et du coup, bah, je vais devoir couper par une route. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Allez vite là. Ouais, je suis monté à genre 46. Pas mal hein. 46. Mais bon, forcément qui dit descendre de ouf dit monter. Voilà, voilà. Merci. Bonjour. 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 C'est bon, c'est bon, ça va. Merci. Merci. Les pauvres. Ils sont en train de se taper une bête de côte. Bordel, les pauvres gamins. En haut, en fait, le mec il disait ils vont nous détester les enfants. Bah ouais, tu m'étonnes. Franchement, c'était super tendu. Et j'ai pas posé le pied, je suis assez fier. Et à vous. Bon, moi je suis en train de rentrer tranquillement par la route. Là, dans 10 minutes, je devrais être à la voiture. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao !